Savez-vous que derrière la musique des grands succès d'Edith Piaf se cache une femme? Elle s'appelle Marguerite Monod, elle est pianiste, compositrice et elle a aussi été une grande amie de la môme. Dans mon royaume, je soigne les remords, je chante les remords. Après une carrière de pianiste, Marguerite Monod se met à composer de la chanson française. Elle enchaîne les succès. Ses musiques sont chantées par toutes les stars de l'époque, mais celle qui va vraiment la faire connaître, c'est Edith Piaf. La Goualande du pauvre Jean assure une musique de Marguerite Monod. Est-ce pour ne rien qu'un instant, la Goualande du pauvre Jean. La première collaboration entre les deux femmes remonte à 1936 et va durer plus de 20 ans. Ensemble, elles enchaînent les succès, comme Milord, L'hymne à l'amour, Mon légionnaire, jusqu'à ce que leur collaboration s'arrête brutalement. Ben voyons Milord. À la fin des années 50, Edith Piaf tourne le dos à Marguerite Monod. La compositrice vient d'offrir à une autre chanteuse le rôle-titre dans sa comédie musicale Irma la douce, un triomphe.